Donc moi, ce que j'ai retenu, c'est que l'être humain, donc, c'est un organisme vivant avec une capacité de discernement qui est capable de s'adapter, de s'ajuster avec l'environnement dans lequel il vit, qu'il est interdépendant de cet environnement, qu'il soit visible, invisible, tangible, intangible, qu'il a besoin de se nourrir, d'amour, de s'alimenter, de s'oxygéner, de respirer, qu'il est lui-même un collectif, puisqu'il héberge effectivement des micro-organismes qui, c'est grâce à eux que nous sommes ici aujourd'hui. Et puis l'être humain, finalement, j'ai retenu qu'il est soumis aux lois naturelles et aussi aux règles qu'il a co-construites et que sa mission, c'est d'accomplir ce qu'il est, mais aussi de déployer des forces, d'avoir un projet, notamment en collaboration avec l'organisation dans laquelle il a choisi de vivre. Et finalement, je terminerai par ce collectif qui est vraiment, la vie est un concert et elle l'est que grâce à nous. Et finalement, l'être humain, c'est un chef-d'œuvre.